gouverneur, je voudrais d'abord vous féliciter pour la grande confiance que le président de la transition vient de placer en votre personne. Je ne vous apprends pas combien cette nomination a suscité de réactions au Mali. J'ai rarement vu une nomination qui a suscité autant d'espoir. Pratiquement sur tous les réseaux que j'ai consultés, je n'ai vu aucune personne qui a eu à dire autre chose que les félicitations. Ça me rappelle un peu lorsque le président de la transition a choisi les membres du comité chargé du suivi des conclusions des assises. Monsieur le gouverneur, je suis de votre génération. Nous avons vécu les mêmes problèmes dans les années 70. Nous avons tous été amenés à changer d'itinéraire pour diverses raisons. Vous étiez parti ailleurs, moi j'ai été au Niger. J'ai rappelé d'ailleurs récemment au ministre nigérien et au premier ministre qui a souri. Je me rappelle aussi que après les études, moi je suis parti à l'extérieur, vous aussi vous étiez à l'extérieur. On est tous revenus à la même période. Et dans les années 90, je me souviens d'un certain nombre d'incompréhensions qu'il y avait au Mali. Mais comme tout bon Malien, nous avons parlé. Vous avez parlé avec les autorités. Et je dois témoigner que depuis que vous avez pris la route pour le Mali, oh combien il y a eu de tentatives de vous dérouter du chemin de la vérité. Vous êtes resté ferme, vous êtes resté vous-même. Personnellement, je suis resté dans la même posture. Je sais que les dernières grandes tentatives, les plus fortes, ont été exercées sur vous pour que vous tourniez le dos au Mali dans les années 2016-2017. Peu de gens sont résistés. Il y a beaucoup de partisans de la transition aujourd'hui qui n'avaient pas compris en son temps que vous avez choisi la voie de l'avenir, la voie de l'honneur, la voie de votre pays. Et en 2021, exactement le 4 septembre, je n'étais pas encore nommé Premier ministre officiellement quand le président de la transition m'a convoqué pour me dire combien il était attaché à la résolution définitive de la crise du Nord. Ce jour-là, le 4 juin 2021, le président a reçu, en ma présence, l'ensemble des dirigeants des mouvements armés appartenant à la CEMA. Il leur a dit ceci. Il leur a dit que dans 2 jours, autrement dit vers le 7, ce monsieur va être nommé Premier ministre. Et quand il sera nommé, je souhaite qu'il soit un de vos interlocuteurs privilégiés. J'ai tenu au bon la balle du président. Le lendemain, j'ai invité mes interlocuteurs à une discussion d'échange. Nous avons fait pratiquement 2 heures de temps. Je dois dire que j'étais optimiste ce jour-là. Je leur avais dit que nous avons une chance inouïe pour notre pays. Nous avons à la tête de l'État des jeunes officiers qui ont fait pratiquement la moitié de leur vie au Nord. Je sais aussi, comme vous êtes là, que beaucoup ont travaillé sous votre commandement. Je leur ai dit aussi que moi, je viens du Nord et j'ai vécu toutes les difficultés et tous les problèmes qui pouvaient être cités ici et là. Donc, on ne m'apprend rien. Je n'apprends rien dans les livres.
Je suis de la même génération qui a subi les sécheresses des années 70-73 et de 74. Je leur ai dit que j'ai la chance d'être là aujourd'hui à côté de ces jeunes officiers. Eux, ils sont là à la tête des mouvements. Conjuguons nos efforts. À toi, si nous sommes de bonne foi, nous pouvons écrire des grandes pages dans l'histoire du Mali. Ce jour-là, j'étais convaincu que beaucoup parlaient sincèrement avec moi. Je n'en ai même pas parlé au président d'ailleurs. Parce que je me disais que il fallait que nous travaillions pour lui montrer que nous allons l'aider, lui et ses compagnons, et l'armée nationale, à faire sortir le Mali du bourbier dans lequel il était. Après eux, j'ai tenu des rencontres individuelles avec beaucoup de ressortissants du Nord qui étaient impliqués plus ou moins dans la gestion de la crise, d'autres dans des fonctions de ministre, de conseiller, beaucoup de rencontres individuelles. C'était pour me permettre de me faire une opinion sur ce que l'entourage pense, comment on va résoudre ce problème. Parce que je voulais qu'on apporte une valeur ajoutée à l'action des patriotes militaires qui se sont retrouvés à la charge de l'État. Sachant très bien que l'action militaire, elle seule, j'ai dit au ministre la dernière fois, ça fait peut-être 25% des efforts du peuple. Et l'armée a magistralement accompli sa mission. En ce moment, je ne pensais pas que ça allait être comme ça. J'avais une idée. Mais je disais qu'il faut qu'on se donne la main pour leur permettre de réussir. Certains m'ont déçu, m'ont clairement fait comprendre que je suis un rêveur, parce que le Mali ne deviendra plus jamais un pays uni. D'autres ont donné des conseils en disant de se méfier, que je suis trop idéaliste. Certains ont donné des conseils d'usage, mais globalement, beaucoup doutaient. Parce que la hiérarchie politique, je crois que 95% de la classe politique même ne pensait plus que le Mali pourrait retourner à Kidal. Mais il y a des hommes qui ont cru, parmi lesquels vous, parmi lesquels le président de la transition et ses compagnons, parmi lesquels notre armée. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où Dieu nous a facilité la tâche, pour ainsi dire. En même temps, c'est compliqué, mais vous savez, plus on travaille dur, plus les résultats sont meilleurs. Et quand vous avez été nommé, le président de la transition vous a reçu le lundi 27 novembre. Généralement, quand le président reçoit, on ne reçoit plus. En général, c'est de bas en haut. Mais votre cas est spécifique. Il fallait d'abord recevoir des instructions du président. Ensuite, les différents ministres sectoriels vous ont rencontré. Et avant que vous ne partiez dans votre mission, que je crois ne saurait tarder, parce que tout le monde est pressé, j'ai jugé utile en tant que chef de l'administration malienne de vous rencontrer et donner quelques avis d'usage. C'est des avis qui ne seront pas forcément plus pertinentes que celles que vous avez déjà reçues auprès du président et des autres ministres, ni celles que vous connaissez, parce que vous êtes un homme de terrain. Et donc, ces informations, comme on le dit en Bambara, on dit le lait ne peut pas gâter la crème. Donc tout ce que je vais dire, c'est des ajouts. Je sais que vous en connaissez beaucoup. Je voudrais, avant votre départ, donc je dirais imminent, parce que attendu par tous les Maliens, vous renforcer dans les orientations données par le président de la transition, chef de l'État. C'est au nom de l'État malien donc que ces instructions ont été données. Dans ce sens, monsieur le gouverneur, ici même, le lundi 20 novembre, j'ai tenu un conseil de cabinet avec tous les ministres pour donner suite à une instruction pertinente et urgente du président de la transition
d'identifier l'ensemble des problèmes que nous pensons doivent être résolus pour pouvoir l'aider, vous aider dans l'accomplissement de votre mission. C'est dans ce sens que nous avons élaboré un document que voici. Certains ministres sont des retardataires. Je viens de signer une lettre urgente pour leur dire que d'ici vendredi après-demain, que toutes les réponses soient envoyées au ministre de l'administration territoriale, monsieur le ministre d'État, pour en faire la synthèse, et nous allons les remettre tous au président de la transition qui sera le vrai maître à bord. Ce sera exactement lorsque, quand notre pays a subi l'embargo de la CEDEAO, nous nous sommes réunis en urgence, on a élaboré le plan de riposte, on l'a discuté, adopté, on l'y a remis. C'est à lui de sortir les cartes au fur et à mesure. Cette fois-ci, vous êtes le représentant du chef de l'État à Kidal. Mais quand nous parlons de Kidal, en réalité, j'ai écouté l'intéressante interview du ministre d'État. Il s'agit de toutes les régions du Mali, particulièrement les régions du Nord. On dit Kidal parce que c'est l'épicentre, c'est ce que tout le monde retient. Sinon, je crois que ce que vous allez faire avec, en relation étroite avec vos collègues de Taoudéni, Tombouctou, Gao, Menaka et les régions du centre et tout le reste du Mali, vont servir de cas d'école. Actuellement, je voudrais juste vous parler de quelques propositions urgentes, me semble-t-il, que vous allez ajouter à ce que vous avez, plus le document que le président va vous remettre certainement plus tard. Dans la région de Kidal et dans toutes les autres régions, monsieur le gouverneur, aussi bien du nord que du centre, il y a un certain nombre de tâches importantes qui ont été identifiées et qui m'ont été proposées par un certain nombre de ministères, de la Défense, le ministère d'État chargé de l'administration territoriale, celui de la Justice, de la Refondation, de la Sécurité et de la Protection civile, de la Réconciliation nationale, de la Paix et de la Cohésion sociale, du Transport, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, donc vendredi matin, vos observations écrites doivent être transmises au ministre de l'Éducation, parce que je n'ai pas vu dans le dossier qui m'a été remis les observations du ministre de l'Éducation nationale, alors c'est une urgence. Le ministère des Mines, la Santé et le Développement social, la Justice, disons la Jeunesse des Sports chargée de la construction citoyenne. Nous avons réellement besoin de vous aider à reconstruire la citoyenneté auprès de certains citoyens de cette zone qui ont été intoxiqués pendant des années. Nous avons aussi le ministre des Maliens établis à l'extérieur, le ministre de l'Agriculture, celui de l'Énergie et de l'Eau, bien celle, madame le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, urgente actuellement à Kidal, le ministre de la Formation professionnelle, qui a besoin de parler beaucoup avec les femmes de Kidal. Maintenant, les ministères dont je n'ai pas eu encore, disons le ministre d'État n'a pas eu les réponses, c'est l'industrie et le commerce, l'urbanisme, l'environnement, et ensuite le ministre de la communication, j'ai eu vos observations, le ministre des Affaires religieuses et du culte, et la ministre déléguée auprès du premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles. Donc tous les autres ministres ont répondu, le ministre d'État en a fait une très bonne synthèse. Et je crois vendredi pendant le week-end, nous allons tout mettre au propre et remettre au président. Ça va être un tableau de bord pour lui et pour vous permettre d'accomplir cette grande mission qui vous est proposée. Je voudrais juste, avec la permission des uns et des autres et votre autorisation, monsieur le gouverneur, synthétiser certaines actions qui me semblent être urgentes. D'ailleurs, le ministre d'État a fait un très bon tableau où pour chaque ministère, nous avons des actions d'urgence, des actions à court terme et des actions à moyen terme. Ça n'empêche pas, mesdames et messieurs,
que je souligne quelques points qui me paraissent intéressants et qui vous permettraient, Monsieur le Gouverneur, de pouvoir accomplir votre mission pour un pilotage lucide et éclairé du président de la transition pour rendre irréversible et définitif l'unité nationale du Mali, son intégrité territoriale, sa souveraineté entière et totale sur toute l'étendue du territoire national, ainsi que la forme républicaine et laïque de l'État malien. Parce que c'est les données que nous avons dit ne sont pas négociables. Tout le reste peut se discuter entre citoyens. Vous avez, depuis l'Empire du Mali, dans les années 1300, avant ça, en 1200, plus tard, avec Askia Mohamed, dans les années 1400, notre pays a toujours été géré de façon décentralisée. Beaucoup ne savent pas que même Askia Mohamed, ce n'était pas l'héritier légitime du trône. L'héritier légitime du trône, c'était le fils de Sony Ali Ber. Mais décentralisation oblige, les notables, les chefs religieux se sont entendus pour confier le pouvoir au général auquel Sony Ali Ber avait le plus confiance, qui se trouve être un neveu, Mohamed Touré. Et bien sûr, les Sorailles se sont révoltées. Ils disent qu'il ne le sera pas. Atekaye, ça c'est devenu Astia. Et puis, comme pour un peu montrer que c'est lui qui a le pouvoir réel, on l'appelle Askia Mohamed Touré. C'est un Saracolé. Vous allez trouver là-bas le lac Fagibine. Fagibine, c'est du Saracolé en réalité. Ça veut dire le lac noir. Mais beaucoup de Saracolés ne savent pas. Pour vous dire que dans notre pays, les brassages ethniques ont toujours été comme ça. Avant la mort de Sony Ali Ber, il avait des contingents militaires composés exclusivement de guerriers Touareg. Souvent, ils poursuivaient les gens jusqu'au Maroc. Beaucoup ne savent pas ça. Donc, en réalité, nous sommes le même peuple. C'est pour cela que je dis que quand on pince l'oreille de quelqu'un à Kaï, c'est à Kidal qu'un autre va crier pour vous dire que ça lui fait mal. Cette partie de l'histoire du Mali, notre jeunesse ne la connaît pas. On est venu nous mettre dans la tête qu'on est différent. Alors qu'à un moment donné, certains d'entre nous ont donné leur vie pour que d'autres survivent. J'ai donné dans des explications ici qu'à la fin du 19e siècle, des écrits ont été faits par des chefs colons, le gouverneur de la région de Kaï, qui a écrit au gouverneur de la région de Tombouctou pour lui instruire, comment ils appellent, supprimer tous les gens du Soudan qui ont la peau blanche, les Touaregs et les Arabes. Il dit les supprimer en les tuant, en les affamant, en empoisonnant les puits, en empêchant leurs animaux de brouter de l'herbe pour qu'ils meurent tous ou ils disparaissent. En ce moment, ce sont vos frères, nos frères Sorailles, qui cachaient leurs frères Touareg. Et d'autres, quand on le prenait, on te coupe la tête. Moi, j'ai un ancêtre auquel on a coupé la tête. Son seul tort, c'est qu'ils ont des moustiquaires traditionnels, on appelle Fafou. Les Sorailles les connaissent. Où il a caché quelques amis Touareg. Pour l'avoir trouvé, on lui a coupé la tête et on s'est promené au marché avec sa tête. D'autres ont été déportés en Guinée, à Gorée. Ils ont fait leurs 15 ans, ils sont revenus. Certains sont morts à Bamako, d'autres sont retournés. Leur seul tort, ils ont caché des frères arabes Touareg. Parce qu'on est du même sang. On est venu nous réécrire l'histoire pour dire que c'est d'autres qui sont les amis des Maliens. Tantôt on dit que c'est les Touareg. Demain on va dire que c'est les Sorailles. Après, demain on dirait que c'est les Peuls. Mais nous, nous devons être très lucides. Et je dois dire que quand je suis votre parcours, 30 années de résistance, parce que depuis 1991 que vous avez intégré les rangs de l'armée malienne, personne ne vous a pris en défaut. Même lorsque l'espoir était perdu, il s'est avéré que vous avez fait preuve de grande dextérité, comme un tout bon général. Vous avez risé pour faire tomber les adversaires dans l'eau et vous êtes retrouvé au Niger.
Le jour où j'avais appris que vous avez rallié ceux qui ont divisé le Mali, moi je suis tombé malade. Mais quand j'ai su que vous êtes au Niger, certains ont été protégés, vous les avez protégés jusqu'à les rendre à leur famille, je me suis senti très très fier. Et tous les Maliens. J'ai fait tous ces rappels, monsieur le gouverneur, pour vous encourager. Faire tourner le sang dans votre cœur. Vous savez, j'ai dit quelque chose l'autre jour qui n'a pas été rapporté. J'ai rencontré l'ancien président Atété le 17 mars 2012, 5 jours avant sa chute. Il m'a accompagné à sa porte vers 21h. Je sens qu'il était affaibli. Il m'a pris par la main. Il me dit, cousin, je vais te confier quelque chose. Tous ceux qui ont têté les Maliens, tous ceux qui ont du sang malien qui coule dans leurs veines, il y a certains qui ne vont jamais leur pardonner leur autonomie de décision. Moi, je savais tout, parce que je sais plus ou moins de quoi on avait parlé. C'est pour vous dire que vous avez le sang malien qui coule dans vos veines. Aujourd'hui, tout le Mali vous regarde. La situation à Kidal aujourd'hui, c'est que tous les bâtiments ont été saccagés. L'eau de la Somagep est interrompue. Seuls les forages privés fonctionnent. Les téléphones Orange Mali et téléphone sont rétablis depuis quelques jours. Le lycée fonctionne avec un personnel très réduit. Les autres services techniques sont absents. Dans certaines localités, quelques petits services sont encore présents. Le projet du développement durable de la région de Kidal, qu'on appelle le DDRK, est encore présent et intervient timidement dans les domaines du développement rural, de la sécurité alimentaire, de la formation professionnelle, de la santé, de l'hydraulique. Beaucoup de gens de Kidal se sont retirés à Bamako, en réalité, sans le dire. Et je sais qu'ils sont prêts à retourner dès que les conditions sécuritaires vont être réunies. D'autres sont allés dans les entourages. À Guelog et Tessalit, tous les services techniques sont absents. Le téléphone est absent. Les groupes électrogènes, la Dixondo, les CESCO ont tous été vandalisés et sont aux arrêts. À Tinesakoué, à Baybara, à Chibago, ne sont pas opérationnels depuis des années, depuis que ces mouvements sont là. Les collectivités sont aux arrêts dans toute la région, puisque les premiers responsables ont pris les armes contre l'État, ou bien on fuit. Seul le maire de la communauté urbaine de la ville de Kidal et quelques élus sont revenus, parce qu'en réalité, ils avaient été écartés par les groupes armés alliés aux terroristes. Certains groupes armés alliés se sont regroupés dans le cercle de Tinesako. Et précisément, dans un ancien fief des rebelles, leurs combattants sont tous réunis actuellement à Zakak. D'autres groupes armés et leurs alliés sont regroupés à Ikadauten, à 60 km à l'ouest de Tessalit, ainsi que leurs combattants. D'autres se sont réfugiés dans les pays limitrophes, avec l'intervention souvent de la Croix-Rouge dans ces zones. Certains groupes terroristes et alliés à Al-Qaïda se sont éparpillés dans toute la région de Kidal. Et c'est ce qui veut dire à certains qu'eux, ils vont revenir. Je crois que, avec l'aide de tous les Maliens, nous allons les attendre de pied ferme. En tout cas, ceux qui voudraient bien prendre la main tendue, elle reste toujours tendue. Quant aux mesures urgentes qui ont été identifiées par nos services à l'aide des membres du gouvernement, en attendant votre présence physique sur les lieux qui ne saurait tarder et que les discours ne peuvent pas remplacer, en plus des orientations données par le chef de l'État, je voudrais me permettre de vous donner et renforcer vos positions. Le gouvernement pense qu'il faut immédiatement construire et renforcer ce que j'ai appelé le front de Kidal. Non seulement militairement, mais surtout mettre la ville et la région du côté du Mali, à travers toutes les actions urgentes de secours et de développement socio-économique. Démontrer que les populations étaient prises en otage par des groupes armés alliés aux terroristes. Aller à leur rencontre,
leur tendre la main et le micro, amener certains notables et cadres participant à la transition à s'exprimer ouvertement. Parce que vous savez, la parole a une force. Quand on voit des ressortissants de Kidal parler dans les médias, expliquer la situation réelle, c'est différent de ce que les adversaires de la transition ou du Mali développent. Et ici, j'avais édicté un principe qui est connu de tout le monde, ce n'était pas une invention. Quand j'avais dit qu'on doit nous développer maintenant en mode 3D, la défense, la diplomatie, le développement, je crois que notre armée a fait son travail, elle continue de le faire. Notre diplomatie, que nous aussi nous appuyons par la communication, fait son travail, mais le développement socio-économique, c'est par là qu'on gagne la paix. L'armée gagne la guerre, mais le pays doit gagner la paix par le développement économique et social. Expliquer aux populations que le combat est loin d'être terminé, parce que, vous savez, il y a la liesse populaire. J'avais dit ici au ministre que moi, j'ai comparé les réactions des Maliens à l'intervention de l'opération Serval quand l'ex-président français était arrivé ici, et le 14 novembre. Les deux images sont presque les mêmes. C'est la joie partout. Donc, ça veut dire que la joie populaire ne doit pas nous suffire. En tant que dirigeant, j'ai dit aux camarades ici que l'armée a fait les 25% du travail. Mais les 75%, c'est les Maliens. Il faut que tout le monde soit uni et développer la région 2. Expliquer à ces populations que le combat est loin d'être terminé. Que tous les mouvements terroristes, actuellement, ils nous sont imposés de l'extérieur. Et ils viennent remettre en cause la quiétude entre nous. Dans notre pays, on pouvait se déplacer tranquillement à Chameau. Là, on a la nuit, vous dormez, vous trouvez des voisins, vous arrêtez votre chameau, vous mangez avec eux, puis vous continuez le lendemain. Mais aujourd'hui, on a peur même dans la ville d'aller d'un point à l'autre. Il faut que, sous l'action conjuguée des Maliens, nous venons ensemble. Tenir toujours compte, monsieur le gouverneur, des réalités socioculturelles avant d'implémenter toute décision de l'État. Vous vous préparez, monsieur le gouverneur, à être guidé. Je voudrais vous dire juste une citation d'un célèbre homme d'État. Il dit « Préparer l'action militaire sans tenir compte de l'existence d'un plan de négociation et négocier sans tenir compte des préparatifs de l'action militaire. » Je pense que c'est exactement ce qu'il faut faire. L'armée fera son travail. Vous avez le triple chapeau comme représentant du chef de l'État. Ça, donc, c'est l'armée. Mais il y a le développement économique et social qui doit se faire, tendre la main aux populations, les faire venir, car vous êtes représentant de l'État, investi, comme je dis, de la confiance du président, chef de l'État. Vous êtes investi aujourd'hui du soutien de l'ensemble des Maliens. Vous devez donc agir pour restaurer l'État et la réconciliation dans le Nord. Vous devez rassembler le plus large possible en transcendant tous les clivages politiques, tous les clivages ethniques, tous les clivages religieux, tous les clivages sociologiques. Au Nord, il y a des gens qui croient encore qu'on est au siècle passé. Au Mali, un citoyen, une voix. Il n'y a plus deux sortes de citoyens de la République du Mali. Tout le monde est égal. S'il y a des spécificités dans une région dont ils doivent tenir compte, c'est eux qui s'entendent. Mais il ne sera plus question qu'une minorité de personnes s'impose à la République, s'impose à la majorité, surtout que tout le monde dit se battre pour la démocratie. Prendre toutes les initiatives, monsieur le gouverneur, pour accélérer le retour de l'administration, bien sûr sous l'autorité bienveillante du ministre d'État et des services sociaux de base, des écoles, des infrastructures, sensibiliser, appeler et rassurer pour le retour rapide des populations déplacées à l'intérieur et hors du Mali. Prendre toutes les dispositions pour la réouverture des écoles et des centres de santé. Faire preuve, monsieur le gouverneur, de très grande humilité dans la fermeté requise. Je vous sais très humble, mais je vous sais aussi ferme. Parce que j'ai des informations où des gens qui n'ont jamais pensé que vous allez résister à leurs sollicitations
se sont dit qu'ils pouvaient vous retourner. En vous voyant, ils se disent qu'on peut négocier avec eux. Mais ils sont tombés, comme je dis, sur de l'acier dans du fer, de l'acier dans du velours. Il faut maintenir ce cap, être extrêmement humble et ferme, et tout laxisme est à bannir. Redoubler de vigilance et beaucoup de discernement pour empêcher tout retour des terroristes sous quelque forme que ce soit. Parce que certains vont se déguiser, ils vont se faire passer pour des gens bien convertis, et je sais que vous connaissez tout ce système-là, faire sanctionner par la justice malienne, sans excès ni faiblesse, sans état d'âme, tous ceux qui ont du sang malien sur les mains depuis un certain temps. À ce titre, monsieur le gouverneur, je crois qu'hier, le procureur général près de la cour d'appel nous a amené un bon bol d'eau dans notre vin, dans notre Nyamaku, ou bien Nyamakudji. Bon, parce que hier, je crois qu'il a fait un communiqué qui a fait chaud au cœur. Je pense que maintenant, ça doit être fini. On ne peut plus continuer dans l'impunité. La preuve est faite que l'impunité ne sert à rien. Chaque fois qu'on croit que c'est un amadouan, quelqu'un qui commet des crimes, qui va changer, il croit qu'il va toujours vous avoir. Il faut donc être ferme. Maintenant, pour les Maliens qui veulent venir, vous savez, le Mali, c'est leur pays. Tous les pays voisins, là, lorsque les Maliens y vont, ils ont un autre nom qui n'est pas celui par lequel on les appelle ici. L'autre jour, j'ai suivi votre interview où vous avez dit tout ce que le Mali a fait pour nos parents du Nord. La discrimination positive, l'expression la plus achevée, c'est le Mali qui l'a fait. Et ça, il est bon que ça soit dit et que le monde entier l'attende. Monsieur le gouverneur, c'est quelques mots que je voulais vous dire. C'est pour vous confier encore que tout le Mali vous regarde. Toute l'Afrique vous regarde. Je voudrais que vous inscriviez en lettres d'or dans l'histoire du Mali, pour que dans 500 ans, dans 1000 ans, quand on va retracer l'histoire du Mali dans les livres, on parlera d'un certain général Gamou qui a pu renforcer et rendre irréversible le processus d'unification du Mali. Merci, monsieur le gouverneur. Monsieur le ministre.